Bénédicte Thorin. Je suis enseignante en sciences et vie de la terre dans deux établissements de l'Ariège, deux petits collèges ruraux. Voilà. Ça fait maintenant plusieurs années que je travaillais avec les camarades du Parti communiste et donc j'ai décidé de m'impliquer un petit peu plus avec eux. Donc par rapport à l'enseignement, actuellement les réformes qui sont mises en place par le gouvernement nous semblent plus être mises en place pour des économies plutôt que pour l'épanouissement des élèves. Et plus pour adapter les enfants au monde de l'entreprise. Alors que pour moi, l'école doit être en premier lieu l'épanouissement de chacun. Voilà, donc c'est aussi pour ça que je suis militante syndicale et que l'on défend ces valeurs-là. Voilà. Alors, Parti communiste, moi j'ai adhéré il n'y a pas très longtemps, puisqu'avec mes camarades du PC, depuis 2005, on travaille ensemble. Moi, j'étais chez les non-cartés depuis plusieurs années. Et là, j'ai franchi le pas parce qu'il me semble que pour la mise en œuvre des idées que l'on défend, il est important d'avoir une structure. Voilà. Et puis, il était aussi, enfin voilà, par rapport aux échanges, aux débats d'idées, donc j'ai choisi de m'investir dans le Parti communiste. Et donc, je suis venue au congrès. Surtout pour porter la parole de mes camarades et aussi pour voir un petit peu les lignes qui vont être adoptées par le parti. Essayer de faire quand même quelque chose de relativement unitaire, à mon sens c'est important, mais sans perdre les valeurs de gauche qui me semblent devoir être mises en évidence actuellement parce que la politique portée par le Parti socialiste ne me semble pas en adéquation avec les valeurs qui sont les miennes.